Alors, bienvenue dans les tutos My Free Time. Maintenant, commençons déjà notre premier cours. Dans la formation, pour ceux qui ont fait donc L1 S2, hein, ceux qui ont fait langage C, hein, dans n'importe quel niveau, il suffit d'avoir le niveau langage. Donc, ça, je l'écris juste pour ceux qui font des licences informatiques. Cela, c'est vraiment une référence très exacte pour eux, mais ceux qui ont vraiment les notions exactes, notions de base des langages C, hein, jusqu'à lire, tractionner, travailler avec du graphique, tout ça, donc qui ont déjà les niveaux vraiment très avancés dans les langages C, je pense que vous avez déjà vu sur les structures. Structure, voilà, structure de données, je peux dire, hein, structure de données. Voilà, donc avec les mots de base qui est strict, nous savons que lorsque nous utilisons strict, c'est lorsque on veut, hein, structure de données, c'est lorsqu'on veut créer un ensemble. Donc lorsqu'on veut donc créer, c'est pour créer un ensemble, ou lorsqu'on veut, ou lorsqu'on veut regrouper les attributs, donc les attributs. Je dis les attributs ici en général, mais c'est des variables en fait. Les variables, voilà. Lorsqu'on veut réunir des variables. Hein. Par exemple, je vais créer. J'ai un tableau. Tableau d'entier. Normalement, c'est déclaré de cette façon-là. Tableau d'entier. Par exemple, je dis N. N. N, c'est donc défini là, c'est une constante. N égale par exemple, non, on met pas des virgules, des points, on met juste N égale 100, N 100. Là, j'ai déclaré une constante. Constante. Ça, c'est des slash, double slash, voilà. Là, une constante, 100. Donc, ça veut dire, c'est comme si n égale à 100. On peut aussi faire const n égale à 100, comme ça. Voilà, c'est constante, ça veut dire que ça ne sera pas modifié au cours d'exécution. Donc, du coup, lorsqu'on déclare comme ça, donc on suppose que lorsque je vais afficher ce tableau-là, ben, j'aurai besoin de l'effectif. Hein. Donc, l'effectif, ça veut dire que quelque part, j'aurai taille. Je peux dire taille. Pas taille, celui-là c'est taille max, hein, taille max, mais effectif, là je vais vraiment écrire effectif pour que ça soit compréhensible. Effectif, voilà, effectif. Par exemple, j'ai chaque fois que je rajoute un élément, voilà, par exemple, effectif c'est 10, ça veut dire que j'ai un tableau qui est long, mais là où il y a des éléments, c'est des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, voilà. Là où il y a des éléments, c'est des 0 jusqu'à 9. Donc il y a au total, hein, 10 éléments. Il y a 10 éléments dans cette table-là. Voilà, dans cette table-là, il y a 10 éléments. Donc, alors ça, vous voyez, c'est séparé. Mais nous, maintenant, comme on parle, on connaît déjà, sur les structures. Bah, du coup, nous, cela va nous dire que, bah, comme on connaît déjà créer des ensembles, les ensembles. Donc du coup, j'aurai en fait la tendance à créer une structure du genre ensemble comme ça. Et à l'intérieur, j'écris int tab, là des n, et j'écris sa taille effectif par exemple, effectif, voilà comme ça. Voilà, et voilà. Là, j'ai créé ma structure. Ensemble. Donc du coup, plus tard, au lieu de déclarer des choses séparées comme ça, je pourrais faire juste ensemble, par exemple ensemble A, voilà, de cette façon-là. Ou je peux l'initialiser, par exemple ensemble B, je l'initialise directement 1, 3, 4, 6, 0, n'importe quel élément. Voilà. Ça, c'est... Bon, ça, je fais n'importe quoi. Je peux n'importe quoi parce que là, donc voilà, comme ça, c'est un des voilà, n'importe quoi, et là,
Comme 1, 2, 3, 4, 5. Là, je mets 5. Taille 5. Là, normalement, j'ai déclaré que je créais structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai mis 1, 3, 6 et 7. Et 7. Voilà. Là, ça continue parce que taille, c'est 100. Là, ça continue, taille, c'est 100. Mais nous avons quoi? 5, 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, des 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, c'est juste quelques introductions pour vous montrer que on peut créer des ensembles juste à travers des mots stricts. Voilà pourquoi lorsque je dis que le prérequis, il faut vraiment connaître à utiliser la structure, ce mot-là, mot-clé strict, pour regrouper les choses. Ok. Maintenant, ici, l'objectif de notre premier cours, c'est ensemble. Nous allons parler des ensembles. Des ensembles. Donc, on sait qu'en maths, en maths, lorsqu'on parle des ensembles, donc c'est comme si c'est l'ensemble, c'est quoi? C'est la collection, hein? C'est la collection. C'est la collection des objets. Voilà, collection d'objets. Ben, ces objets-là doivent être doivent avoir la même type. Même type et donc et il doit être unique. Un ensemble, même en maths, hein, en maths, lorsqu'on crée un ensemble, hein, on voit l'unicité et on voit l'unicité qui est là et on voit que les éléments doivent être de la même ensemble, même ensemble, bon, le même ensemble de définition, je peux dire. Voilà, par exemple, je ne peux pas créer l'ensemble comme ça des entiers naturels. Et de mélanger avec des réels. Donc je ne peux pas faire comme ça. Voilà. Je ne peux pas faire comme ça. Où il y a 1, 2, 3. Là, je crée l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Sans réel. Où je vais créer. Voilà. Donc ici, on dira que A appartient à N. Voilà. Ou inclut en N. Voilà, comme vous voulez. La B, là je fais comme ça. Là on dit que B est inclus dans R. Voilà. Ou appartient à R comme vous voulez. Mais comme c'est des ensembles, on dit plutôt inclusion qu'appartenance. Voilà. Donc là en fait, on crée vraiment des ensembles. Et lorsqu'on voit ces ensembles-là, les éléments, les objets qui se trouvent collectionnés dans cet ensemble-là, ces objets-là ne peuvent pas être multipliés. On ne peut pas avoir D1 dans un ensemble. Voilà pourquoi lorsque nous avons des ensembles, on fait des inclusions, des lignons, tout ça. Donc pourquoi? Pour essayer de limiter ou de supprimer les... Par exemple, j'ai un ensemble qui a 1, 3, 4. Ça, c'est l'ensemble A. Et l'autre ensemble qui est B, il y a D, 4, D, 4, 5. Si je vais faire union de cet ensemble-là, des A et B, ben j'aurai quoi? J'aurai 1, 3, 4, j'aurai D, 4, 5, comme ça, moins les éléments semblables. Hein, les éléments semblables, il faut que je fasse la soustraction. Les deux éléments ici, si je fais l'intersection de ces deux ensembles, ils font l'intersection dans 4. Donc il faut que je fasse moins intersection de A et B dans ce cas. Donc si je fais moins intersection de A et B, c'est 4. Donc il faut que je supprime 4. Hein. Voilà. 1, 4. Voilà. Oh là là. Voilà. Là, ça devient union. Donc union de A et B. On prend l'ensemble, on prend A et B, on prend A et B, on prend A et B, moins A, moins A, comment dirais-je, moins A, inter B. Voilà, on fait comme ça. Alors on prend les éléments de A et les éléments de B. Je dis les éléments de A et les éléments de B, pas les éléments de A ou les éléments de B. Les éléments de A et les éléments de B. Moins les éléments, moins l'intersection, les éléments de deux intersections, les éléments de l'intersection de deux ensembles. Voilà.
Là, on parle pour vraiment nous ramener dans l'unicité. L'unicité, ça veut dire qu'il y a juste un seul élément qui n'est et il y a des éléments uniques. Voilà, pas des répétitions. Là, c'est des ensembles. Mais en mathématiques, et ça, c'était en mathématiques. Ok. Maintenant, supposons nous voulons créer un ensemble ici, en informatique. En informatique, c'est à cause de ça que je vous ai dit, il faut vraiment connaître, avoir les notions de base des langages, d'un langage. Par exemple, dans ce cas, c'est le langage C. Pourquoi? Nous avons vu que lorsqu'on crée un tableau, pourquoi on, lorsque, déjà, on va essayer de déclarer un tableau. Je vais déclarer exemple. Je déclare un tableau. Qu'est-ce que je commence? Je commence par quoi? Par les types de tableaux. Les types de tableaux, c'est là, c'est notre ensemble. C'est comme si je limite. Je dis que ce tableau-là, ça sera que le tableau des entiers. Vous voyez? Que le tableau des entiers. Si je vais faire tableau des chars, hein, je mets des crochets là pour dire que c'est. Bon, je l'enlève parce que ça sera optionnel. Hein. Je l'enlève. Pour enlever le. Voilà. Char, par exemple. Char comme ça. Par exemple, j'ai que mot. Ben ça, c'est ce tableau-là. Je ne peux pas avoir des entiers quelque part là. C'est vraiment les tableaux que lorsqu'on veut affecter, je pourrais mettre, par exemple, écrire, par exemple, bonjour. Bonjour. Comme ça. Juste comme ça. Je ne peux pas écrire, par exemple, si je déclare char, mot. Et d'écrire, je sais pas moi, là 1, 3, 4, 5. Non, je peux pas. Bien sûr, si je fais comme ça, là ça devient normal. Pourquoi? Parce que là maintenant c'est comme si je l'ai converti et le 1 c'est le pli 1. Maintenant ça devient, pardon, bon, c'est pas des c'est simple cote, hein, c'est pas des doubles cotes, hein, c'est des simples cotes. Là ça devient maintenant les caractères. Voilà, les caractères 1, caractère 3, caractère 4, caractère 5. Voilà. Donc, c'est vraiment des collections des éléments des mêmes types. Hein? Voilà, des mêmes types. Et ce type, ces éléments-là doivent être uniques. Voilà, c'est des ensembles. Donc, cela veut dire que si en informatique maintenant, si on veut créer ou on souhaite créer un ensemble, on utilisera donc les tableaux par exemple, hein. Par exemple les tableaux, voilà. Maintenant, nous allons juste, comme on veut utiliser les tableaux et qu'on parle vraiment des ensembles, essayons de donner un exemple, hein, d'un ensemble que vous connaissez. Mais avant qu'on parle, qu'on entre vraiment dans des ensembles, j'aimerais bien que je puisse déjà vous parler un peu d'un mot-clé que peut-être vous connaissez déjà. Normalement, vous devez les connaître. Ça s'appelle type def. C'est quoi? Ben, c'est un truc. Voilà, c'est bizarre de dire un truc, hein. Mais c'est un truc, voilà, qui fait quoi? Qui crée des synonymes de type. Voilà. Par exemple, hein, si j'ai des entiers, entier par exemple, entier A. Là, je déclare mon entier, par exemple, âge 10. Plus tard, je sais que âge, entier âge 10. Ben, plus tard, comme je sais que l'âge est toujours codé par les entiers, il n'y a pas, on ne crée pas des âges, par exemple, un an et demi. Non, oh, vous avez 12 ans, oh, vous avez 13 ans. Voilà, c'est ça, un entier. Donc du coup, vous avez deux enfants, ou vous avez trois enfants. Du peu que j'ai un enfant et demi, voilà, ça ne se parle pas. Quel que soit un petit, quel que soit un bébé de 2 mois ou de 2 jours, c'est un enfant, un point, un trait. C'est un être humain, on n'en parle plus. Il n'est pas demi.
Voilà. Donc, du coup, ici, je pourrais surnommer ce truc en disant que, en faisant type def, là, je mets le type que je vais, et là, je mets le nom que je vais donner ici, dans mon nouveau type. Voilà, création qui se nomme le type. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis que dorénavant, au lieu de déclarer entier, donc je peux déclarer, au lieu de déclarer int, je peux écrire entier, par exemple, âge comme ça, et je mets 10. Voilà. Donc c'est la même chose, hein, si je fais comme ça, âge 1 égale 10, c'est la même chose, c'est des entiers, à la base, c'est des entiers. Voilà. C'est des entiers. Les premiers, la différence, c'est que ici, j'ai utilisé un nom compréhensible entier, et là, c'est non, voilà, un nom entier, c'est des primitifs, hein. Primitives, voilà, type, donc c'est les types primitifs, voilà, type primitif. Donc il y a entier, il y a char, il y a anti-char, il y a float, il y a double. Il y a short, il y a long, voilà, etc. Il y a byte, je sais pas moi si byte, je sais même plus si voilà, il y a byte, il y a, bon, il y en a plein, il y en a plein, il y a des size t, il y en a plein. Bon, ça là, c'est les, bon, c'est pas size t, ça là, c'est les types de base, du type de base. Donc du coup, là, on essaie juste de faire quoi? De définir, de surnommer ou de synonymer, de donner les synonymes en fait de notre type. Voilà. Donc du coup, si aujourd'hui je vais créer un ensemble, alors qu'est-ce que je vais faire? Au lieu que je déclare int, voilà, tableau comme ça, c'est un ensemble. Ça, c'est un tableau qui collectionne des entiers. Voilà. Là, qui s'appelle tab, des n qui collectionne des entiers. Alors, au lieu d'écrire tout le temps en int comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais faire type def. Là, j'ai mis entier comme ça. Et là, j'écris ensemble. Et là, je mets n. Voilà, je mets n. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plus tard, si je vais créer par exemple un ensemble ou un tableau de n, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste déclarer ensemble, hein, par exemple A, comme ça. Je peux même l'initialiser. Ensemble A, je l'initialise par exemple à ces éléments-là. Voilà. Donc ici, notre ensemble a la taille 4, parce qu'il a 4 éléments. C'est la même chose, hein. Là, c'est la même chose que quelqu'un a écrit comme ça. Les n là, c'est type def, hein, ou même const. Comme vous voulez, const n égale 100. Hein. Voilà, pour ne plus avoir l'ambiguïté. Voilà. C'est la même chose. Mais ici, j'ai créé un type. Et là, ça devient un peu compréhensible. On écrit ensemble, on met A. On sait que cet ensemble-là, c'est un tableau. Voilà. Maintenant, on va justement créer vraiment, donc regrouper des éléments. Hein? Regrouper des éléments. Là, j'ai regroupé des éléments, des entiers. Des entiers comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai un tableau à l'intérieur de ce tableau, il y a un. 3, 0 et 4. Ça, c'est notre ensemble A. Voilà. Donc, du coup, hein, du coup, si j'ai là maintenant, hein, j'ai pas la taille de cet ensemble. La taille de cet ensemble-là, il faut que je l'écrive tout le temps. Par exemple, si je vais afficher cet ensemble, il faut que je puisse voilà, chaque fois fournir la taille à part. Ça veut dire si plus tard, j'ai une fonction, par exemple affiche tab. Donc, il faut que j'écrive par exemple ensemble A et int
taille comme ça. Voilà, et là à l'intérieur j'aurai une boucle. Voilà, qui va prendre donc i inférieur à taille, par exemple ça i plus plus, ça vous le connaissez déjà. Et là je fais des printf, donc pourcent des ensembles. Ensemble des tables, ensemble à l'intérieur, c'est ensemble des i. Voilà. Parce qu'ensemble, c'est rien de plus, c'est un tableau, hein. C'est vraiment un tableau ici. Voilà. C'est vraiment un tableau. Voilà. Là, je viens de créer la A. Pardon, ici, il y a juste un problème. Ouais. Bon, pour l'instant, j'écris comme ça. Si vous voyez qu'il y a des erreurs, ben, corrigez-les. Comme ça vous fait un peu des corrections, des exercices. Voilà. Là, j'écris comme ça. Hein, voilà. Donc, on voit que nous avons toujours le problème de fournir des éléments et notre fonction, ça commence à devenir un peu lourd. Supposons que nous voulons justement avoir un tri comme ça. Donc là, j'ai mon ensemble. Et là à côté, j'ai la taille. Là, c'est les éléments, par exemple les éléments. Et là, je vais avoir par exemple cardinal. Cardinal, c'est le nombre d'éléments, nombre d'objets collectionnés dans cet ensemble-là. Par exemple, si j'ai 1, 3, 0, 8, donc il faut que ici, je puisse avoir 4. Comment avoir ça? Ben, on l'avait déjà fait tout au début du cours. Je vous ai dit pour collectionner des ensembles. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer un nouveau type. Ouais, c'est vraiment très difficile, mais on va aborder donc création des nouveaux types. Nous allons utiliser des mots-clés, donc strict et type def. Voilà, nous allons mélanger ces deux mots-clés. Donc, l'objectif, on veut quoi? On veut créer un bloc. Hein, je veux que ce soit un peu propre. Je vais créer un bloc qui contient des éléments, qui réunit des choses. Voilà. Là, c'est des éléments de même type, bien sûr. Et là, c'est cardinal. Voilà, nombre des éléments qui sont là. Comme ça veut dire que plus tard, si je vais envoyer créer une fonction qui affiche, ben, je vais juste envoyer un ensemble, par exemple ensemble A. Ben, je vais juste envoyer par exemple quelque chose, une fonction qui affiche. Je vais juste envoyer ensemble A. Et à l'intérieur, il va faire tout le travail juste avec les A là, parce que dans les A, on a un tableau. Dans les A, on a la taille, on a le cardinal. Voilà. Donc du coup, comment créer ces nouveaux types? Donc on sait très bien, voilà, je dis on sait très bien, mais pour ceux qui ont vu comment utiliser les types et les stricts, donc il y a trois au moins, ce que moi je sais, il y a au moins trois. Vous pouvez en avoir connaître plus, mais moi je sais qu'il y a au moins trois façons de créer, d'utiliser les stricts ou même le type def. Alors moi je vais vraiment utiliser les deux formes les plus utilisées, hein, les plus utilisées que moi j'utilise, que j'ai senti que je suis à l'aise, c'est ça le plus important. Je suis à l'aise et que j'ai écrit moins, c'est ça. Je suis à l'aise et j'ai écrit moins de code possible. Donc du coup pour créer ce type-là, donc déjà si j'ai des éléments et j'ai les cardinaux, donc j'ai des attributs que je vais regrouper dans un seul type, dans un seul type. Donc du coup, normalement, si je vais créer une structure, j'ai écrit le mot strict. Je donne le nom de mon structure. Ici, j'ai donné le nom d'ensemble. Voilà. Et là, je vais lui dire que, donc c'est comme si regroupement tous ces éléments et surnommez-les ensemble. Et ces éléments à l'intérieur auront comme type, par ici on commence type entier. Entier,
là par exemple tab comme n. On sait que le n là est défini. Hein, je le répète toujours pour que cela ne puisse pas vous sembler difficile à imaginer. Parce que déjà, si quelqu'un n'a pas suivi les cours ou n'a pas, ne sait pas comment on crée des constantes, bah, du coup, ça sera un peu ambigu. Il va passer le temps à chercher d'où vient ces n. Là, je le mets déjà comme ça, c'est précisé. Donc, et là, je mets cardinal. Voilà. Là, je pourrais, au lieu de mettre tableau, là, je mets élément. Même LM. Juste. LM comme ça et cardinal. Là, j'ai créé structure ensemble. Donc, du coup, pour utiliser ces structures, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'écrive strict ensemble. Ah! Voilà. Mais moi, en fait, la dernière fois, je vous ai dit qu'on devait juste écrire strict. Ah. On préfère écrire comme ça. Mais avec le type, la façon de faire, de cette façon de faire-là, on est obligé d'écrire comme ça. Même si l'utilisation des A là, c'est la même chose, mais lors des déclarations, on est obligé de déclarer comme ça. Donc, du coup, ça nous difficulte un peu les choses. Alors pour faire mieux, qu'est-ce qu'on a résolu? On a résolu comme on sait que tout ça, c'est un nouveau type. Donc du coup, nous allons surnommer ces nouveaux types et donner et les donner un nouveau nom. Alors, je vous ai dit pour la syntaxe déjà des types def. Je n'ai pas dit. C'est type def. Le nom de type ancien et le nom du nouveau type. Nom, new type. Même si c'est mélangé, name, new type. Voilà, comme ça. Maintenant, ça c'est notre old type qui est strict ensemble. Celui-là. Maintenant, on prend ces nouveaux types. On lui donne, on prend c'est un saint type, on lui surnomme ça. Alors comment ça va devenir? Donc ça va devenir type def. On prend le nouveau, l'ancien type qui est strict. Par exemple, ensemble, de cette façon-là. On peut aussi ne pas mettre les noms, ces noms-là. Hein. On peut aussi, donc là, je fais comme ça pour dire que c'est optionnel. Voilà. Facultatif, voilà. Et après, bah, il faut que je mette les choses, les éléments qui les regroupent, ce que cet ensemble regroupe, hein, comme on avait fait là. Il faut que je le mette aussi ici. Là, j'ai entier, LM, c'est un tableau N, hein, avec N, donc avec N égale à 100. Et entier, là, on fait cardinal. Voilà. Et le nouveau type là, avant de mettre point virgule, je vais le mettre juste ici. Je vais l'écrire ensemble. Comme ça. Voilà. Ou si on veut vraiment mettre tout sur ligne, donc je peux faire type def strict ensemble si on veut. Là, je fais entier lm. Entier cardinal, je ferme et là je donne les noms ensemble. Voilà, alors comme vous pouvez voir, ça c'est le nouveau nom, tout ça c'est l'ancien type et ça c'est le mot-clé. Voilà. En tout cas, avec ça, vous devez déjà le maîtriser et le comprendre. Ça, je les réexplique comme ça, c'est, on est nous tous sur le même mesure. Sur la même mesure, voilà. Donc là, dans notre cas, là, je viens de créer un nouveau type ensemble. Donc du coup, si je vais déclarer cet ensemble, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'écrire strict
ensemble comme on avait ensemble A comme ça, ben non. Maintenant, avec cette façon de faire là, on écrit ensemble, ces noms-là, ensemble, par exemple, A. Voilà. Voilà. Là, je viens de mélanger ces deux mots-clés, type def et structure. J'ai créé une structure, je l'ai surnommée ensemble. Ans, voilà. Donc, je pense que cette première partie du cours, pour moi en tout cas, ça a été bénéfique. Voilà. Maintenant, en fait, le problème est que lorsque. Bon, c'est pas un problème. Hein, c'est pas un problème. Mais lorsqu'on crée un ensemble, voilà. Lorsqu'on a un ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les opérations, hein, d'un ensemble, dans un ensemble? Quelles sont les opérations? Je peux dire que. Quelles sont les opérations dans un ensemble? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et nous allons continuer dans le cours 2. Voilà, dans le cours, pardon, 3, pour parler un peu des opérations. Donc, on se donne les rendez-vous dans les prochains cours. Donc, à bientôt.